Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de notre aventure horrifique sur Dead Space, évidemment. Et comment vous dire que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus crade. C'est très bizarre. Et je suis, qui plus est, dans un sale état. C'est moi ou il y a les autres corps? C'est moi ou il y a les autres corps? Mais what? Il n'y avait pas de lumière comme ça. Donc on retourne au pôle médical. Et il se passe des trucs qui se passaient pas spécialement avant. Comme d'habitude, mettez-vous dans le noir, casque ou écouteur. 4K 60 FPS, chacal, tu connais. Quoi? Je me suis chié dessus, putain. La porte du pôle médical s'est verrouillée derrière moi. Tu me reçois? Un autre survivant. Enfin. Vous êtes en sécurité ici. Je suis médecin. Nicole Brennan est avec vous? Vous n'êtes pas venu ici vous réfugier. Eh bien, la docteure Brennan est occupée. Je vous conduis jusqu'à elle? Déverrouillez cette porte plutôt, que j'aille la chercher moi-même. Vous êtes inconscient. Vous risquez de laisser entrer quelque chose. Ou sortir. Merde. Je vois. Vous avez décidé de résister. Asseyez-vous. Je m'occupe de vous dans un instant. Bizarre, mon ref, l'ambiance là, non? Bizarre, bizarre. Non, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Localiser la source. Voilà. De plus en plus. Oh, je l'ai pas vu. Salopard. Ok. Alors le problème dans tout ça, les amis, le problème dans tout ça, c'est que niveau munitions, ça devient tendu du slip. Et le deuxième problème dans tout ça, c'est qu'en vrai de vrai, bah, je vais quand même rééquiper ça. Voilà, parce que ça me paraît pas mal. Ok. Et parce que j'en ai des munitions, vous l'aurez compris. Ah, il y a eu des trucs obscurs entre temps. Putain, mais j'étais là pourtant, les gars, je piche pas, wesh. On était là il y a pas longtemps. Veuillez éviter de déranger mes autres patients. Qu'est-ce que c'est que ça? De la recherche, bien entendu. Je suis à deux doigts de trouver le facteur manquant. Un unitologue comprendrait. Se transformer, je te le dis, mon petit pote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, frère! Aucun sens. Attends, en fait. Mais je comprends.
délire. Ça rend fou. Ok. Bon, on revient dans le jeu. On va leur casser la gueule. Parce que cette fois, il y en a ras le cul. C'est terrible. Le jeu, il est dur, sa mère. Attendez, comme je vous disais... Hop, ça va être très bien comme ça. Yes. J'ai moins de munitions que tout à l'heure, je comprends pas pourquoi. C'est... Je galère, mais on me rajoute de la difficulté, mon ref. Ok. Comme par hasard, on me donne pas les bonnes munitions. Vas-y, ça rend fou, frère. Ok, ok, allez, on se concentre. Superbe. On va revivre ça. Veuillez éviter de déranger mes autres patients. Qu'est-ce que c'est que ça? De la recherche, bien entendu. Je suis à deux doigts de trouver le facteur manquant. Un histologue comprendrait. Ok. Il est mort. C'est abusé ça, ce lance-flamme, frère. Ah, faut monter en haut. Je suis obligé de... Ok, ok, ok. Sachez que je me prépare en toutes circonstances. Je sais pas si je peux tirer dedans, c'est un enfer. Ok. Oh là là, quelle galère, quelle galère! Ok. Ah. Oh oui. Confirmée. Oh oui. Merci, merci, merci la zone. Journal de patient retrouvé. Ok. Alors, je dois m'enregistrer ces temps-ci. C'est la vieillesse, n'est-ce pas? Comme je disais... Le nouveau traitement que je développe devrait fonctionner. Les essais sont très prometteurs. Des essais? Vous serez vite de retour à votre poste. La CEC n'en saura rien. À moins que vous ne doutiez de moi. Non, bien sûr que je vous fais confiance. On peut essayer. Docteur et merci. Merci à la zone. Le neuvième volontaire est un jeune homme qui teste ma nouvelle formule de régénération des tissus. Il va mourir dans l'heure, mais les changements au niveau du système vasculaire sont très prometteurs. Il faut nettoyer ça.
Pour la dernière fois, j'ai besoin d'une équipe de traumatos ici. Oui, j'ai appelé. Trois fois. Mon patient me lâche. Alors terminez la post-clope et venez m'aider. Ok. Allez, petite save, Chacal, tu connais. Vu comment c'est tendu en ce moment. Ok. Très bien. On va aller là. Hein. Voilà. T'inquiète, on connaît ici, mon pote. Plan barre de lame. Oh oui. Oh oui. Oh non. Oh oui. Quel bonheur. Quel bonheur. Merci d'avoir mis des médics dans un pôle médical. Ça peut paraître con, mais bordel. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Oh, je me sens si bien. Et là, il n'y a plus rien. Ok, super. Oh, quel bonheur. Choqué, pas déçu, je te le dis. Let's go. Là va sûrement y avoir un boss ou un bail. Un bail hardcore. C'est infini ou quoi? Attends. Attends. Je suis beaucoup trop bien là, on va save. Juste pour éviter de faire... Si jamais je me fais arracher, éviter de faire l'aller-retour inutilement de ce qu'on vient de récupérer. Parce que ça fera quand même 2-3 minutes de gagner. Sinon c'est un peu chiant. Je préfère perdre 30 secondes les amis à save. Que 2 minutes à chaque fois à tout récupérer pour se faire saccager. Vache. Ok. Ah, raccourci. Superbe. Ok. Très bien. Contournement de la transmission du vaisseau, Isaac Clark. Je me suis fait rouler. Isaac Clark. Ah oui, la douce moitié de la docteure Brennan. Nous étions collègues, vous savez. Docteur Chalus Mercer. Êtes-vous la raison qui empêche le monolithe de commencer? C'est ça. La convergence n'est pas retardée. Il y a ingérence. La question est comment? Mais même si je vous posais la question, je suppose que vous ne me diriez rien. La cause de la mort est un facteur qui avait échappé à mes calculs. Le démembrement. Je crois que nous tenons quelque chose. Essayez de vous détendre, monsieur Clark. La convergence est si proche. Peut-être que votre mort fera pencher la balance. Ouais.
ça dégage. Ah mon ref. Daniel, ouvre le labo de chimie. Quoi? Fais-le. Ok. Ah. Je peux pas le tuer. Ah, échapper à la... Oh non, j'ai tout utilisé. Pour que dalle. Je suis dans mon seum. Ah ! Oh, fils de pute, j'ai eu trop peur. Ok. Isaac, la transmission de Nicole. C'était une ruse d'un putain d'unitologue. Le docteur Mercer. Il a confiné le pôle médical pour faire des expériences sur l'équipage. Oh, merde. Tous les accès sont verrouillés depuis un des bureaux. Sûrement celui de Mercer. Il peut forcer les portes internes, mais tu devras rejoindre son bureau et faire sauter le verrouillage manuellement. Ok. J'ai le seum. J'ai le seum de fou furieux. Je crois que j'étais obligé en fait de le saccager, de le démembrer. Pour voir qu'il se régénérait, pour comprendre qu'on ne pouvait pas le tuer. Mais j'ai quand même utilisé des munitions de fou furieux quoi. Putain de merde. Aïe 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 aïe. Ok. Ok, ok, on est reparti. Oh, il y a une pression de ouf dans le jeu. Mauvaise idée, monsieur Clark. Mon chasseur a beau se régénérer, il prend les attaques très à cœur. Fils de pute! Niqué bonheur, niqué bonheur. Oh quoi? Oh niqué bonheur, c'est bon. Frère, c'est débile. Ça fait 2 heures j'essaye de ramasser la batterie. Ça ramasse une boîte de conserve à 4,5 km. Eh vas-y frère, c'est bon. Ça a abusé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Aïe aïe aïe. Ouais, je suis énervé, ouais. Bon, attendez. Mauvaise idée, monsieur Clark. Mon chasseur a beau se régénérer. Il prend les attaques très vite. Allez. Habilitation confirmée. Oh non, on n'a pas le temps, frère. C'est incroyable. On a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps. Ok. Attends, attends, quelle est cette nouvelle arme qui vient de... Piège laser. Déploie un piège qui découpe tout ce qui traverse les lasers. Wow, ça me plaît ça. Journal d'intervention, Dr. Chalus Mercer. Quel dommage. Quand j'ai commencé mes recherches, les observations de Terence Kine sur le monolithe étaient précieuses. Maintenant, il en est réduit à envoyer des missiles de secours. Et Tamir, mon diagnostic,
Ce pauvre Terence souffre de la même démence qui a frappé la colonie d'Aegis 7. Amelia, par exemple. La seule Amelia qui est mentionnée était sa femme. Et Amelia Kyne est morte il y a peu. Oh les bâtards! Aïe. Oh les bâtards! C'est chaud! Oh c'est tellement chaud! Ok. Ok, je vous laisse lire, évidemment. Mettez pause. Oh là là. Ah ouais, toute la vie qui donne, mais c'était pour ça en fait. Alerte. Protocole de fermeture des portes corrompu. Redémarrage du système. Veuillez patienter. Et nom de Dieu, tenez bon, je peux vous aider. Pas moi, sauver les cultures en sang. On crève tous. Le vicier, mais il est encore temps. Son ancien marchera. Il lui faut juste de la sorte liquide. Sauvez-nous. Il avait raison. La qualité de l'air se détériore dans tout le vaisseau. Quelque chose empoisonne l'air au niveau des cultures hors sol. Si on perd notre approvisionnement en oxygène... Il a dit qu'on pouvait y remédier. Il cherchait de l'azote liquide. Et il doit y en avoir dans le laboratoire de cryogénie. Ok. On n'a pas d'autre choix, de toute façon. Je trouve un passage jusqu'à la cryo. Protocole de fermeture des portes redémarré. Merci d'avoir patienté. Ok. Je sais pas si c'est de la chance. Ah. Danger toxique détecté. Ça c'était évident, la base. Allez, Tamir! Ok, ça se vacue. Mercer a pompé ce gaz depuis la salle de culture en sol. Si l'air est déjà aussi difficile... Je dois faire plus vite pour aller à la cryogénie. Je vais ouvrir l'autre porte du laboratoire de chimie. Ça devrait t'y emmener directement. Oh, le jeu est si dur. Mais qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Oh la vache. Là, je vous avoue, ça m'embouche un coin. Attendez. Attendez, vraie question. Il y a des trucs à acheter là? Ah, très bien. Très bien. Ah, très bien. Très bien. Ok. Et là, c'est des améliorations à acheter.
Eh ben non. Hein ? Allez, ça dégage. Oh là. Ah, l'azote liquide, ça va geler le corps. Et une fois démembré, il pourra pas se reconstruire. Parce que ça va geler les cellules. Hein. Oh, les gars. Forcément, c'est pas très joli. Ça va. Ok. Allez. C'est pas facile. Hein. Là, je peux vous dire que les amis, j'ai la bouche pâteuse, comme on dit. Habilitation de sécurité de niveau 3 requise. Ouais. Va y avoir un boss, les amis. Il va y avoir un boss, les amis. Je vous le dis. On va save. Alors, il est temps de voir ce à quoi on a affaire et comment le tuer. Ok. Et il me reste grand kit de soins, un seul quoi. Un seul. Bon, ça devrait le faire. Let's go. Que la perte de mes autres patients. Mais vous et la docteure Brennan, vous avez assez retardé comme ça. Si vous avez fait du mal à Nicole... Je n'ai jamais montré autre chose que de la courtoisie à la docteure Brennan. Pouvez-vous en dire autant? Moi, je peux dire que je suis pas un putain meurtrier. En parlant de courtoisie... Ok, rien.
je vais jamais y arriver. Mais j'arrive pas à joindre Hammond depuis qu'il est parti au pont d'équipage. Isaac, la qualité de l'air se dégrade rapidement. Si t'as de l'azote liquide, va réparer la salle des cultures hors sol. Je m'en occupe. Continue à essayer de joindre Hammond. Mercer, je crois pas qu'on en ait fini avec lui. Let's go, épisode 5, lien mortel terminé. J'ai une sorte d'échantillon de tissu. Du fidèle chasseur de Mercer. Fais gaffe. Qui sait quelle connerie on a pu injecter dans ce truc? Je peux peut-être le découvrir et comprendre ce que mijotait Mercer. Si je me dépêche, peut-être que je peux trouver un scanner d'ADN dans le coin. Okay. Isaac, la garde tram des cultures hors sol est condamnée. Tu dois trouver un autre chemin. Prends le tram en direction du hangar, puis dirige-toi vers la station de réparation. Tu te souviens? C'est là où une rame bloquait les voies. Il y a une porte d'accès là-bas qui mène aux cultures hors sol. Allez, on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure, c'est tellement chaud. Incroyable. Bye bye.